Massif Attack, voilà qui résume assez bien les dernières 36 heures en tête de course. Et voilà l'Alizé brésilien, ça va assez vite, il fait chaud, il fait beau, on va pas se plaindre. Et pour cause, passé de 169 000 hier matin à 250 000 aujourd'hui à 16h, l'avance de François Gabart sur Armel Lecléache s'est franchement creusée. Alors forcément, chez le Benjamin de la Flotte et néanmoins leader, tout va pour le mieux. Très bientôt, on approche de l'équateur. Il y a le passage du poteau noir devant nous, j'espère que ça va bien se passer pour le bateau massif. Et puis ensuite, la montée d'Atlantique pour arriver au Sable d'Olonne. C'est de faire au plus vite, vous vous promets. Allez, à bientôt, ciao ciao. Derrière, à l'image d'Alex Thompson, quatrième à 735 000 du leader, on compte déjà sur les bonnes dispositions du poteau noir, et on se projette même dans un futur un peu plus éloigné. Ah, ça va ralentir pour tout le monde quand nous arriverons dans le poteau noir. Après le poteau noir, les bateaux vont retoucher du vent, et alors il peut y avoir un regroupement. Ensuite, ce sera l'anticyclone des Açores et les vents d'ouest. J'espère que nous aurons des vents d'ouest convenables, car là, il n'y aura plus d'autre chance d'assister à un regroupement. Il va falloir attendre et voir. En queue de flotte dans l'océan Pacifique, celui qui ferme la marche navigue par 52 degrés sud. Et il est aussi enthousiaste qu'un leader qui navigue dans la chaleur et les alizés. Je viens de passer la porte Est Pacifique. Et donc maintenant, route vers Cape Horn. Et là, le bateau avance à environ 20 nœuds, avec une moyenne les dernières heures de 18 nœuds. Et ça va très bien à bord maintenant. Et route vraiment vers Cape Horn, presque route directe. Encore deux ou trois changements d'amure. Et environ 1500 milles. Donc d'ici 5-6 jours, je vais franchir Cape Horn si tout va bien. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.